Il a d'abord commencé en fait par des techniques très anciennes sur la nature morte, sur la vie silencieuse des objets inanimés. Et donc j'ai travaillé la cuisson des vernis, broyage des pigments, l'élaboration des supports sur des techniques du 17e pendant une quinzaine d'années. Et cette gestuelle qui m'a amené à travailler en fait les objets et à créer ces atmosphères et ces vides autour des objets m'ont amené à une gestuelle au niveau de la touche à la peinture à l'huile que j'ai par la suite, au bout d'une quinzaine d'années, isolée, que j'ai identifiée et isolée. Et ensuite, j'ai retravaillé mes premiers amours en peinture qui sont en fait l'écoulement, l'eau, la pastoralité en fait de notre région. Et cette touche que j'ai isolée, que j'ai identifiée, je l'ai reproduite en grand avec des grandes brosses que j'ai fabriquées et avec une technique qui est complètement différente, puisque là on est avec ce qu'on appelle le polymère acrylique de Yves Klein pour en fait avoir une matité absolue et une restitution de la couleur par rapport à des pigments purs. Donc ensuite de là, eh bien, mon travail s'articule autour de la diffraction de l'eau où je vais travailler en fait l'écoulement, je vais travailler la la polymérisation, les contradictions des matériaux également, puisque là c'est avec autant de l'acrylique que de la peinture à l'huile, que des polymères que je vais disperser à l'alcool. Donc on a parfois des rétractions, des superpositions et des contradictions dans les travaux. Ce travail m'amène bien évidemment à travailler le paysage d'eau, alors parfois avec une figuration qui est un petit peu plus classique au niveau du rendu, au niveau de la lecture. Je travaille également sur tout support papier, support toile, qui sont ensuite ou mis sous verre, hein, ou alors tout simplement laissés tel quel quand c'est de la toile. Donc moi, mon travail est toujours in situ, ou bien à l'atelier où je vais continuer le travail de grand format.